faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. La nation est unie pour dire son attachement viscéral à la liberté d'information et à la liberté de la presse qui était évidemment visée. Mais la nation est aussi unie pour dire que nous, Français, quelles que soient nos origines, nous n'accepterons pas que soit attenté à nos vies et à nos libertés. Happy birthday, happy birthday. In the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. Vos confrères du petit journal de Canal Plus sont des provocateurs. Ce sont des gens qui utilisent des moyens que la déontologie la plus élémentaire, la morale, la loi, les recommandations du Conseil de l'audiovisuel réprouvent. Voilà. Et je dois dire que je n'en ai aucune espèce de remords. Vous pouvez comprendre, Yann Barthès, que des responsables politiques en aient marre d'être suivis pendant 45 minutes par ces micros-là. Alors vous dites que ce n'est pas des micros spéciaux, mais enfin, pour capter des chuchotements, ce n'est pas la même chose que pour TF1, France Inter ou iTélé. Place de l'Opéra, en pleine manif publique, devant 20 caméras, dans un carré VIP. Non, ça je ne comprends pas. Ces choses-là ne vous arrivent-ils qu'au FN ? Oui. De ce niveau-là, oui. C'est la première fois qu'on est quand même agressé à ce point, en 10 ans de petit journal. La nation est unie pour dire son attachement viscéral à la liberté d'information et à la liberté de la presse qui était évidemment visée. Vos confrères du petit journal de Canal+ sont des provocateurs. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very...